Deuxième chapitre, deuxième partie de la guidance du jour. Très heureuse de continuer avec vous. Merci beaucoup, beaucoup d'être là. On va essayer d'en savoir plus. On va préciser parce qu'en fait, l'essentiel des messages a déjà été, ils ont déjà été transmis dans la première partie. Mais ce n'est pas terminé. J'ai d'autres choses, donc je vais continuer comme promis. Voilà. Et vous le savez, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, mais je préfère quand même le rappeler pour les nouveaux abonnés. Donc, mes guidances sont actuellement en deux parties. Donc, vous trouverez les deux vidéos publiées ensemble sur ma chaîne avec un numéro devant si vous souhaitez écouter dans l'ordre. Mais c'est vraiment comme vous voulez. Je commence, je repars vite parce que les messages n'ont vraiment pas arrêté et je ne veux pas en oublier. Donc, on me dit clairement déjà, bon, je sais pas, la bougie, vous avez vu, j'ai pas, incroyable, hein. Ça a coulé partout, c'est totalement inhabituel, mais bon, voilà, elle s'est répandue comme exactement, en accord avec ce message, comme quelque chose qui vous inonde, vous envahit, et surtout, on me dit que c'est quelqu'un qui est sur le point de s'avouer vaincu face à cet amour, à la grandeur de cet amour, à sa force. C'est très déséquilibré ce que cette personne vit actuellement. J'espère que vous voyez bien, parce que mes guides me demandent de remettre les cartes, mais pourtant, je ne sais pas pour quelle raison. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Voilà, c'est pour la lumière. Donc là, ça devrait aller. Ok. On me rappelle ces synchronicités de lumière qui entoureront les contours, qui entoureront, pardon, le contour de symboles au moment où vous les toucherez, ou un éclairage qui fait comme un contour autour d'un symbole si vous êtes concerné par cette guidance. Et notamment, ça peut être des runes. Et je ne sais plus le nom de celle qui est en forme de flèche ou qui ressemble à ça. En tous les cas, elle revient maintenant, qui parle vraiment de ça, c'est-à-dire quelqu'un qui s'avoue vaincu face à la grandeur de l'amour qu'il ou elle ressent pour vous, après avoir mené de nombreuses batailles pour résister. Mais bien entendu, cette personne est restée dans ce schéma pour d'autres raisons en fait, hein, par rapport à sa compréhension, sa vision, ses croyances concernant l'amour qui remonte à bien avant votre rencontre. Ça, c'est très clairement précisé. Ensuite, on m'a répété la phrase « Je ne veux plus être un bon petit soldat ». Pour certains, cette phrase, immédiatement, elle va vous parler. Et vous-même, certainement, avez dû la prononcer. Il y a quelque chose dans votre expérience de vie qui sera similaire par rapport à ça. Donc en fonction de la position dans laquelle vous êtes, de toute façon, l'un et l'autre, vous arrivez à un moment donné où vous prononcez cette phrase, mais également parce que vous ne supportez plus de l'entendre, c'est-à-dire que des personnes autour de vous ont dû vous dire « Oh, le bon petit soldat !» Bon, bien sûr, c'est pas forcément mot pour mot, mais le sens, on peut pas se tromper. C'est bien celui-là, c'est celui de se battre pour les autres en fait, au profit des autres. Mais dans des contextes où on s'aperçoit que les batailles n'ont plus de sens, que les personnes pour lesquelles on les mène ne sont pas authentiques et sincères, et parfois bien le contraire, tout le contraire même. Voilà dans quelle situation cette phrase va résonner en vous, a résonné en vous, et sans doute vous l'avez prononcée, rejetée comme ça dans le passé, et aujourd'hui, c'est pour cette personne qui est dans votre cœur qu'il se passe exactement la même chose. Bien sûr, le contexte ne peut pas être parfaitement identique, mais les ressentis sont tout aussi... c'est très blessant. À un moment donné,
C'est-à-dire qu'on passe vraiment de l'étape où on trouve ça valorisant quand quelqu'un d'autre vous dit « Oh, t'es vraiment un bon petit soldat », des choses comme ça, au moment où on s'aperçoit que ce que ça dit de ce que vous êtes, ça ne vous correspond absolument pas, absolument plus. Tout l'inverse. C'est vraiment être au service de quelque chose qui ne vous reconnaît même pas en tant qu'individu, en tant qu'existe, oui, qu'être vivant en dehors de ce rôle-là. C'est ça. C'est finalement absolument pas valorisant en tant qu'être humain, qu'être vivant. C'est presque être un outil, hein. Il y a vraiment une notion de très, très dure d'utiliser une personne pour mener des combats. En tous les cas, les personnes qui entourent votre autre ont vraiment trouvé le filon, on dit. C'est la bonne personne, quoi. Mais là, c'est sur le point de s'arrêter parce que c'est quelqu'un qui n'en peut plus de ses batailles sans fin, qui est fragilisé actuellement, bah parce que ça ne... C'est ça, hein, c'est découvrir que ce rôle, c'est extrêmement limitant. C'est désespérant. En tous les cas, c'est comme ça que votre autre le présente aujourd'hui. Et pourtant, c'est un rôle dans lequel gagner cette bataille au nom de personnes comme ça, sous l'attention des autres, en prenant sur ses épaules la pression de la victoire ou non pour ces personnes-là, et en plus, vraiment en partageant la récompense, voire, je pense, parfois en se laissant complètement même dépossédé, hein, de récompense. Alors, tout ça, c'est symbolique, mais dans la matière, vous voyez en quoi ça peut correspondre. C'est quelque chose dans lequel votre autre pensait se retrouver parfaitement, être à sa place. Et alors là, aujourd'hui, c'est vraiment... voilà, il y a eu un déclic, hein, il y a quelque chose qui s'est produit. Parce que c'est quelqu'un qui ouvre les yeux sur ces personnes, qui l'encourage à aller toujours dans le conflit, dans la bataille, et toujours plus, pour récupérer tous les avantages, sans rien faire. C'est vraiment du spectacle organisé, hein. C'est pour ça qu'on me montre cette image des arènes. Mais voilà, on me montre les arènes avec tout tombe. Tout tombe et tous ces repères qui semblaient être quelque chose d'indestructible en apparence, eh bien, voilà, une nouvelle fois, mes guides me disent de ne pas se fier aux apparences qui sont trompeuses. Ok, c'est pas évident, hein, cette guidance aujourd'hui. J'ai du mal parce que c'est vraiment comme cette personne vit, c'est-à-dire hyperactivité, trop 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 de messages en même temps, et puis plus rien. Je ressens à la fois la combativité, l'hyperactivité de cette personne, et d'un seul coup, le vide. Ce côté hyper dur là, de la symbolique des arènes. Et après, sans transition, ça bascule sur la flamme, vous, et vraiment tout est dissocié. Il y a les autres et vous. Ce qui est merveilleux, c'est l'élévation spirituelle. Mais là, on est dans le dur du sujet, hein, comme me disent les guides. Regardez les nouvelles, hein, le message. Hein. Parce que c'est au cœur de tout ça que se trouve cette personne actuellement. C'est-à-dire, c'est comme, vous savez, dans les arènes, il y a ces portes de sortie partout.
Donc là, ça y est, elles sont ouvertes. Donc il y a ces moments, hein, d'accalmie. C'est de paix même, mais en fait, c'est presque une obligation pour cette personne qui est vraiment à bout, là, ces instants-là, de recentrage. Mais je vois vraiment que sa vie, comme si tout l'univers mettait en place des situations dans lesquelles cette personne se retrouve comme ça, dans des moments d'accalmie. C'est-à-dire que ce n'est pas cette personne qui les provoque, qui les prévoit. Mais vous savez, quand des imprévus font que vous allez vous retrouver bloqué pour des raisons climatiques, des raisons n'importe, dans un endroit où vous ne pouvez rien faire et où vous êtes obligé d'arrêter, de stopper, le temps s'arrête un peu. Eh bien, ces guides, mes guides me disent que ces guides en sont là pour permettre à cette personne d'avoir ces espèces de, on dit, de fenêtres de spiritualité dans une vie hyperactive. Ce sont des moments que vit votre autre, qui sont provoqués par des éléments extérieurs, qui ne sont pas programmés, pas prévus par cette personne. Et ça commence très souvent comme ça. On peut tous, enfin, je suis certaine que vous serez nombreux à pouvoir en témoigner, hein, jusqu'à ce que le déclic, voilà, se produise et qu'ensuite, c'est vous qui mettez en place dans votre vie, changer complètement l'organisation de votre vie pour avoir de plus en plus de place, de temps pour ces moments-là. Donc voilà, il faut que je continue à faire barrage à la bougie qui ne cesse de prendre toute la place. C'est pas du tout explicite comme message, merci mes guides, c'est incroyable l'effet de cette flamme. Voilà, mes guides n'arrêtent pas de me le montrer, mais je pense que vous l'avez tous compris, la symbolique de cette bougie par rapport, en accord avec ce message. Voilà, ça ne peut pas être plus clair ce qui est en train de se produire. Et évident par rapport au langage de la flamme, des flammes, et de cette flamme, à ce flambeau que votre autre reprend entre ses mains. C'est très envoûtant. Et le message du feu actuellement, de l'élément feu. Aujourd'hui, en tous les cas, il parle d'action, hein, d'action dans la matière et d'un message d'ouverture, d'esprit, de cœur, je répète, hein, parce qu'on me demande de le faire. Et de pardon. Un premier pas, c'est un message qui est un premier pas vers un équilibre. Voilà, regarde, c'est magnifique. Waouh, je vous montre, hein, parce que regardez, c'est un premier pas. C'est ça, hein, cette personne vous annonce que il ou elle est sur le point de perdre l'avantage par rapport à l'amour, tout simplement. Ça vous vaincu. Son cœur reprend le dessus sur tout le reste. Regardez la bougie qui danse. Vous la voyez peut-être pas, c'est impressionnant. Voilà, ça peut pas être plus clair, hein, regardez. C'est merveilleux, hein, ce que je ressens là pour le coup, parce que le reste ne fait plus le poids. Tout ce qui a pesé sur les épaules de votre autre est en train de perdre la bataille. Cette personne est à bout, c'est ce qu'il ou elle nous dit. C'est trop marrant parce que mes guides n'arrêtent pas de me montrer, de me dire, ben voilà,
En fait, j'ai beau mettre des tas de choses pour arrêter l'écoulement de cette énergie divine qui représente évidemment des énergies d'amour en rapport avec les messages de la guidance, et ça ne peut pas fonctionner parce que l'amour retrouve toujours son chemin. Tout ce qui doit arriver arrive. Ça, c'est vraiment le message caractéristique des liens d'âme, flamme jumelle, âme jumelle, lien sacré. Quand deux personnes sont destinées, rien ne peut arrêter l'amour en question. Rien ne peut lui faire barrage. Et là, cette personne, de toute manière, toutes les résistances tombent. Il n'y a plus rien qui arrête cette énergie divine en lui, en elle. Et il n'y a plus rien non plus qui arrêtera ce passage à l'action qui est annoncé, cette ouverture par un message. Voilà. Parce que plus rien ne fait le poids par rapport à cet amour. Aujourd'hui, pour votre autre. Qui s'avoue vaincu, hein. Je crois que ça va être le titre de la guidance, tellement ça tourne autour de ça. Il ou elle. Il y a un côté vraiment égo-orgueil. Cette personne, ça aurait été beaucoup de batailles contre lui-même ou contre elle-même pendant sans doute longtemps pour admettre une défaite. Et c'est vu comme une défaite. Mais ça, c'est le regard de l'ego, qui est donc toujours très présent chez cette personne. Mais pas suffisamment fort pour empêcher un premier pas de votre autre vers vous. Pas pour empêcher la voix du cœur de s'exprimer. Ça, c'est terminé. La balance, et c'est fou parce qu'on a eu ça aussi il n'y a pas longtemps, je crois même que c'est dans la guidance précédente, va peser du côté de l'amour. Penché, pardon. Voilà. Et la voix du cœur prend le dessus. Parce que c'est juste. Parce que là, c'est quelqu'un qui n'en peut plus de toute façon de vivre dans un environnement aussi conflictuel. C'est que des histoires de jalousie entre les personnes qui l'entourent. Qui le poussent à toujours plus de résultats dans leur intérêt, alors quels qu'ils soient les résultats, ça peut être tout et n'importe quoi. En tous les cas, là, pour la première fois chez cette personne, ouais, c'est ça. C'est le cœur qui gagne. C'est la voix du cœur. Je vous remontre les cartes et c'est ces moments. C'est en tous les cas, d'accord, ok, merci. C'est dans un moment d'accalmie comme ceux qui ont été décrits depuis le début de la guidance que votre autre va écouter son cœur et passer à l'action. L'impulsivité, c'est l'action guidée par le cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mental qui peut arrêter ce premier pas vers vous. Et ce premier pas vers vous, c'est bien avec ce message, ces nouvelles dont il est question. Parce que aussi, dans la balance qui penche du côté de l'amour, elle penche aussi du côté du pardon. Ce pardon, et c'est fou parce qu'on me montre que mille fois cette personne a voulu écrire ce mot. Et ne l'a pas fait, voulait l'écrire et ne l'a pas fait. Et donc c'est quelqu'un qui est rongé par la culpabilité de ne pas vous avoir écrit ce mot.
En tous les cas, c'est clair, hein. Ce que cette personne ressent au plus profond de son cœur triomphe, s'exprime. Ce qu'il ou elle ressent pour vous triomphe, s'exprime, le pousse à agir, la pousse à agir de manière directe. Ça, c'est une immense progression, évolution. Et ça parle également d'ouverture spirituelle. Parce que ça va se produire, et donc j'ai dû remettre les cartes dans le bon ordre, dans un moment de fragilité. Il y a certaines, d'accord, dans les messages que vous avez pu recevoir de cette personne par le passé, un passé peut-être récent, au moins un d'entre eux a déjà été, en tous les cas, annoncé, prédisposé de la suite. Et a déjà été écrit et envoyé dans un moment comme celui-ci, où il ou elle était seul, un peu vulnérable, se sentait fragile par rapport à son entourage, ce que cette personne présente comme les autres. Mais ça n'a pas été un message. Ça devait être quelque chose, des choses sans doute gentilles, mais pas d'ouverture. Message à travers lequel vous avez peut-être senti en sous-entendu des regrets. Message ou geste. Ok, merci Maggie. Attitude aussi. Que vous, voilà, ça peut être l'un des trois ou les trois dans les semaines passées. Mais rien d'affirmé. Tandis que là, c'est quelqu'un qui va commencer à affirmer. C'est ça, oui. Les guides me disent pas, c'est écrit sur la carte. Affirmation de soi vis-à-vis de vous. Voilà. Là, c'est, y a plus de faux semblants. Hein. Même si tout n'est pas déballé du jour au lendemain, parce que je ressens beaucoup d'orgueil encore par rapport à cette personne qui parle d'une défaite face à la grandeur de l'amour. Ce qui est quand même hyper surprenant. Enfin. Oui, sa vision à cette personne, c'est ça, plus qu'un cadeau. Ce qui dit bien hein, qu'il y a encore un combat, un conflit intérieur qui, bien sûr, n'a plus le contrôle, mais qui n'est pas tout à fait encore, qui n'a pas encore totalement disparu. Mais c'est vraiment de l'orgueil, beaucoup d'orgueil. Et comme cette personne vous aime passionnément et qu'il y a ce côté de vouloir toujours se montrer dans le rôle du vainqueur, et bien c'est un petit peu exacerbé en plus vis-à-vis de vous. C'est pour ça que depuis le début, il y a ce message. Vous me poussez à bout. Avec sous-entendu quelque chose, attention. Attention à la suite. Mais ça, c'est pas un avertissement négatif vis-à-vis de vous, c'est plutôt vis-à-vis de ces personnes qui, ces autres personnes qui l'entourent, qui l'épuisent à le maintenir. C'est très bizarre, on me dit la dragée haute, toujours sous, plus, aller plus loin, plus fort. Et c'est quelque chose dans lequel votre autre, il y a une forme de dépendance à la compétition, là. Au gain, à la compétition, à triompher, à vaincre, qui est devenu. Voilà, dans les moments d'accalmie, comme c'est présenté là, c'est. Votre autre ne voit plus que le côté négatif. Et sans fin de la bataille. Et se sent vraiment un peu usé quand même par tout ça. Et ça peut se produire à n'importe quel moment dans la vie, à n'importe quel âge. Et des personnes qui sont très combatives vivent toujours, ça je le vois beaucoup dans les, je l'ai beaucoup vu dans les guidances privées, par des phases comme celle-ci. Qui, oui, ben, y a un moment donné où
le rééquilibre et devient rééquilibrer les choses et se battre, choisir ses batailles, quoi. Choisir ses batailles et mettre sur le top, si on est très combatif, au sommet, en haut, celui de l'amour, de la préservation, de la protection, du respect, du non-jugement, enfin tout ça. Par ailleurs, c'est une personne qui a souffert sans doute de complexes. Et ça, c'est arrivé tout à l'heure. Au niveau physique, qui ont fait ces complexes ont beaucoup participé à l'amener à compenser grâce à ses victoires sur tout, les autres, dans tous les autres domaines de sa vie, enfin surtout dans le domaine matériel, comme si elle permettait. Donc c'est toujours le regard des autres qui est hyper présent là, qui dirige tout. Et cette personne est donc à compenser comme si les triomphes, les victoires, une position, une réussite professionnelle, un nom connu, une famille, tous ces aspects-là, ces signes extérieurs de je sais pas quoi, lui permettaient de détourner le regard des autres de complexe, d'un aspect physique qui complexe énormément cette personne, qui à vos yeux n'existe pas, mais ça c'est toujours pareil, le regard sur le physique de l'autre, c'est complètement subjectif. Et quand il s'agit d'amour véritable, rien, ça n'a rien à voir avec ça. Il n'y a aucun aspect de ce type-là. C'est pour ça que la distinction est importante, hein, par rapport à la notion de spiritualité, parce que l'attirance ressentie ou l'amour ressenti n'a rien à voir avec les aspects extérieurs, quels qu'ils soient, et encore moins la notion d'aspect physique. Et c'est beaucoup, hein, dans les parcours de flammes jumelles, il y a des choses très étonnantes où vous trouvez, et très souvent, attiré comme vous ne l'avez jamais été par cette personne que vous identifiez comme étant votre autre, qui ne correspond absolument pas à les personnes qui pouvaient physiquement vous attirer auparavant. Et après, ça ne serait... Et d'ailleurs, voilà, une fois que vous avez rencontré cette personne, alors ça vous découvrez ça pas forcément tout de suite au moment de la rencontre, hein, ça peut être avant, pendant, après, mais il y a un moment donné où vous réalisez, voilà, où les personnes qui vous attiraient avant, pour leur aspect physique, et bien ça ne se reproduira plus jamais pour ces raisons-là de la même manière. Et c'est directement lié au lien sacré et à l'évolution personnelle que ce type de lien produit en vous, et chez cette personne également. Le truc, c'est que la façon, enfin l'évolution, elle se fait jamais au même rythme, sauf voilà, quand vous arrivez à un moment qui précède la réunion. Avant ça, beaucoup de choses vont se faire de manière décalée. Parfois, certaines choses vont être synchronisées, mais globalement, ces évolutions-là par rapport à l'aspect physique, est-ce qu'on en comprend, et à quel point l'attraction qui est liée au véritable amour n'a rien à voir avec ça? C'est souvent, presque toujours, en décalage. Parce que du coup, ça entraîne une réaction de l'autre. C'est-à-dire, sans vous en rendre compte, vous allez blesser la personne de l'autre côté parce que vous n'êtes pas encore dans cette compréhension, et donc vous ressentez l'attirance, l'attraction magnétique, mais physiquement, non. Ce qui est très déroutant. Et donc l'autre le ressent et se sent
Voilà, ça fait renaître cette blessure et ce complexe. Pourquoi? Bah, pour l'amener à la comprendre et à le dépasser et inversement. Donc là, il y a beaucoup de choses en rapport avec ça aussi. Et cette personne qui a fait comme vous savez, on montre un mur de trophées pour cacher des complexes que parfois, il n'y a que cette personne qui peut les voir. Mais ce n'est pas obligatoirement le cas. Ça peut aussi être l'inverse. C'est-à-dire que les personnes, là, ce que votre autre appelle les autres, ont pu beaucoup jouer sur ces complexes et profiter énormément de la situation en appuyant où ça fait mal et en ne se cachant pas. Même parfois, il y a des choses. Oui, assez cruel. Et donc, ça a poussé votre autre à toujours plus de récompenses, plus de. De combats à gagner. Pour masquer tout ça, avec tout un ensemble de trophées. Enfin, me montre vraiment ce visuel-là. Comme pour faire oublier, sauf que rien n'est oublié, sauf que ces personnes, elles joueront toujours du complexe. Parce que elles sont là pour ça, pour que votre autre en sorte. Comme un nom, voilà, comme si c'était le rôle de ces autres en tant qu'énergie tierce, d'amener cette personne à cette guérison émotionnelle. Et puis, de toute façon, du côté de votre autre. Tout ce qui. C'est un masque, en fait. C'est un masque. Ces triomphes ne font pas disparaître le complexe et ne le compensent même pas. Il est là parce que cette personne ne s'aime pas encore inconditionnellement. Ce qui est sur le point de se produire. Parce que dire qu'on s'avoue vaincu par l'amour véritable, c'est le laisser entrer en vous. Et c'est commencer à s'aimer soi-même également. C'est quelqu'un qui est obligé d'admettre que vous ne l'avez jamais ramené à ce complexe physique. Alors, il peut y avoir beaucoup de complexes, hein, mais là, c'est quelqu'un, on en a tous. Ça arrive souvent dans les guidances. Là, c'est une personne qui a un complexe physique, mais aussi intellectuelle, malgré toutes ses victoires, que ce soit quelqu'un qui gagne tous ses combats ou presque. Alors, je sais pas, par rapport à une notion d'éducation, c'est pour ça qu'on demande des trophées, là, des diplômes. Et c'est pareil, hein, les personnes qui l'entourent ont aussi utilisé ce cercle d'influence. Pour pousser cette personne à gagner toujours plus. On me dit gagner, gagner, gagner. Et votre autre l'a fait parce que ça lui permettait, comme si c'était le moyen de dépasser tous ses complexes. Sauf qu'il y a forcément un jour où on comprend que rien de tout ça, bien au contraire, ne fonctionne. Que la guérison émotionnelle est ailleurs. Ils viennent de l'enfance, hein, ces complexes, chez votre autre. Il peut y avoir une histoire de taille aussi, on me dit, par rapport à l'aspect physique. Ouais, des choses qui sont vraiment qui n'existent pas hein, dans les liens sacrés, mais qui vous permettent de le bah voilà, ça vous permet de le comprendre. Quand vous vous retrouvez quand l'amour est tellement au-delà de toutes ces caractéristiques physiques. Vraiment, waouh! Merci, mes guides. Je suis scotchée aussi là aujourd'hui. Regardez par cette guidance qui n'est pas du tout évidente, mais
Qui est vraiment très belle. C'est un vrai bonheur de voir que quelqu'un va en finir avec un combat permanent, personnel. Et donc, bah, c'est vraiment, hein, là, c'est l'image classique, hein, de la vie, votre vie extérieure est à l'image de cette personne, sa vie extérieure est à l'image de son intériorité, de ce combat permanent contre l'amour, contre des complexes, et d'arriver au bout des résistances par rapport à tout ça, ce qui veut dire que la guérison émotionnelle est au pas de la porte, là. Et oui, et voilà, et donc c'est ça, c'est l'amour qui a gagné, hein, qui triomphe, et avant tout, cette personne qui commence à s'aimer elle-même grâce à tout ce qu'il ou elle a appris. Même si dans un premier temps, cette personne voit ça comme une défaite. Face à l'amour, en tous les cas, le triomphe est là. C'est la deuxième fois que le message arrive. Il ou elle s'avoue vaincu par cet amour, ce grand amour. Sa grandeur, on me dit. Sa force, mais c'est étonnant ce que le mot force, vu quelqu'un qui est toujours comme ça, très compatif dans la compétition, mais c'est grandeur qui est le mot. Vous êtes brisé le cœur avec cette personne. Et là, c'est quelqu'un qui cherche qui est entouré de jalousie. Cette jalousie a provoqué des situations entre vous qui vous ont brisé le cœur. La jalousie des autres a provoqué des situations entre vous, au moins une. C'est cette situation pour laquelle votre autre veut vous demander pardon. Et ça vous a brisé le cœur à tous les deux. Oh là là, ouais. C'est en rapport avec un lieu professionnel dans lequel des personnes de la famille aussi, de votre autre. Joue un rôle. On avait parlé de la jalousie qui entoure cette personne, qui est un vrai fléau, on me dit. Et ces autres vous ont brisé le cœur, en fait. Et vous pensez que c'est que vous qui avez, de votre côté, vous pensez que vous êtes la seule sur les deux personnes qui ait eu le cœur brisé à cause de toutes ces histoires de jalousie, de ces autres, de cet entourage, de ce cercle d'influence, c'est un cercle fermé, vraiment. Et là, on vous dit que non. En tous les cas, votre autre a eu le cœur brisé exactement comme vous. Par toutes ces jalousies. C'est-à-dire que d'abord, ça a eu des conséquences sur votre relation, donc ça vous a brisé le cœur par rapport à l'autre personne. Ça vous a obligé à quitter un lieu ou un projet, quelque chose que vous aviez en commun avec cette personne. Ça aussi, ça vous a brisé le cœur. La méchanceté et la jalousie dont ces personnes ont fait preuve aussi. Enfin, tout en fait. C'est-à-dire que ça a dû. Cette jalousie, elle a fait des ravages. Hein. La jalousie qui était autour de cette personne et donc nécessairement de votre lien a fait des ravages sur votre histoire. Et le truc, c'est que c'est en train de pousser à bout votre autre. C'est en train de pousser à bout en fait son ego et son orgueil. Cette jalousie qui l'entoure.
et qui est en rapport aussi avec la famille. Hein. Ouais. C'est ça, hein, c'est quelqu'un, ça désespère votre autre. Et peu à peu, en fait, tout ça laisse la place au triomphe de l'amour. Et je dis peu à peu parce que ça aura mis beaucoup de, je sais pas, je vois beaucoup de batailles répétées, répétées. Et là, d'une manière impulsive, cette personne va agir lors d'un moment de solitude, de répit, et laisser la voix de son cœur s'exprimer. Regardez. C'est quand même très clair. Ok, encore une carte. C'est un peu mystérieux cette guidance aujourd'hui. Elle est très troublante. Ah oui, un autre message, une autre manifestation. Certains d'entre vous vont découvrir qu'une personne qui est entrée dans leur vie récemment est rapidement devenue un ami ou une amie, vive une situation sentimentale extrêmement similaire à la vôtre. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'observe de plus en plus souvent pour les personnes qui sont sur les parcours de flammes jumelles. Comme on nous offre des relations magiques comme ça qui nous aident à avancer grâce à l'amitié sur des compréhensions qui sont identiques. Voilà, pour que deux personnes, grâce à l'amitié, se soutiennent face à des apprentissages, se donnent des compréhensions l'une et l'autre à des étapes qui sont les mêmes. Et c'est très, c'est encourageant, réconfortant, extrêmement enrichissant et pas du tout un hasard. Donc, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, soit c'est une personne que vous allez rencontrer prochainement d'une manière totalement inattendue. Une personne est d'autant plus inattendue que vraiment ça n'aura rien à voir avec vos relations d'amitié habituelle. Et ça va commencer par ces similitudes pour aller vers quelque chose, une véritable amitié qui ensuite ouais, vous mènera à des projets communs également. C'est très beau ça. Et c'est vraiment rare. On peut, enfin, j'imagine que ce sera un cadeau. Parce que en général, et vous savez, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne, c'est vraiment de ce type de relation, des relations tellement ben justement mystérieuses, extrêmes, avec une dimension spirituelle qui est vraiment la cerise sur le gâteau, qui vous permet de vous retrouver vous-même, de ne plus jamais dépendre du regard des autres, ou le strict minimum, enfin, de vous libérer. Et c'est la plupart du temps complètement incompréhensible, même des personnes très proches. Et impossible de vouloir, d'en vouloir à une personne que vous aimez, de ne pas comprendre. Même vous, par moments, voilà, on a l'impression d'être complètement perché. Et c'est voilà pourquoi j'ai créé ma chaîne. Et grâce à vous, je ne cesse de m'en féliciter et de vous remercier pour tout ça. Parce qu'on en a un besoin vraiment de ce partage. Et donc, tomber sur ce type de relation d'amitié, c'est un cadeau divin sur ce genre de parcours. Et je l'observe de plus en plus, je le vis moi. Et je ne suis vraiment plus ça va dans le temps. Plus je l'observe, plus j'ai de témoignages dans ce sens-là. Ce qui fait que cette notion de solitude associée à ces parcours-là, finalement, quand elle arrive, c'est pour mieux. C'est le point de départ vers des relations qui seront
qui vous correspondront, mais tellement plus. Donc c'est une bénédiction, ces moments, parce qu'ils parlent de nouveaux départs dans les relations, quelles qu'elles soient. Alors, est-ce qu'on peut avoir autre chose? Parce que cette personne-là, donc, qui va laisser son cœur s'exprimer à travers un message. L'action, c'est d'écrire et d'envoyer ce message. C'est un premier pas. Qui dit que ça y est, il n'y a plus de... Voilà. Il n'y a plus d'autre choix. C'est la voix du cœur qui gagne. Le mental ne peut plus se battre. L'orgueil, l'ego, non. Voilà, il n'y a plus de munitions, comme on me l'a dit. C'est plus possible. C'est quelqu'un qui est à bout, là. Ouais. Il n'y a plus de munitions. Voilà, c'est ça. C'est terminé. Quelque chose. Ouais. On me dit que c'est fondamental pour cette personne de réparer tout ce qu'il ou elle a brisé avec vous. Donc ce pardon-là, ce message dans lequel il y aura ce mot pardon, c'est comme si c'était la seule façon de lever le poids de la culpabilité pour votre autre. Alors, en fonction hein, des personnes, lever le poids de la culpabilité, ça peut prendre des formes très différentes. C'est pas forcément un message, c'est pas forcément dire pardon. Ça peut être un geste, un voix d'une chanson, enfin plein de choses. Mais là, je vous assure que c'est un message écrit. Vraiment. C'est quelqu'un qui a quand même des choses, des secrets à vous révéler. Et qui pèse lourd sur sa conscience. Non pas que ce soit des secrets inavouables, mais que, en fait, c'est des choses que vous devez savoir, que vous devez entendre, notamment par rapport à la jalousie des personnes, des autres, là. Mais qui n'arrête pas de me dire ces autres-là, comme si c'est, comme si, voilà, c'est cette personne qui le ressent comme ça. Il y a vous et les autres. Alors, regardez, c'est génial. Voilà, donc cette amitié annoncée, magique, va vous aider à continuer à cheminer sur ce parcours avec cette personne qui s'avoue vaincue par cet amour, face à la grandeur de cet amour. C'est confirmé, vraiment, c'est très très beau. Et encore la jalousie, hein, regardez, c'est fou. Donc là, c'est vraiment la confirmation de cette amitié. Donc si vous pensez à quelqu'un, au moment où vous m'écoutez, juste quand ce message arrive, c'est la bonne personne. Sinon, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Ouais. Et parmi les batailles que cette personne a menées, face à cet amour, eh bien, il y a eu amour-amitié. Voilà. Amitié amoureuse. Et là, ça ne fait plus le poids. Ça n'est pas une amitié amoureuse. Pourtant, c'est quelqu'un qui a utilisé, on me dit, tout les moyens à sa disposition, tout pour, par orgueil, ne pas s'abandonner à cet amour. Et plus il ou elle a résisté, plus ça a été difficile, plus il a fallu continuer à se battre.
et plus la bataille est devenue difficile, et plus la jalousie qui l'entoure. C'est révélé aussi. Ça n'a fait que s'accentuer, hein, en fait. D'une certaine manière, quand vous étiez dans ce lieu que la jalousie des autres personnes vous a poussé à quitter, où vous aviez quelque chose en commun, un travail, un projet, une passion, un loisir, cette personne, vous faisiez comme rempart à cette jalousie. Donc c'est quelqu'un qui la ressentait sans vraiment la voir. Par contre, au moment où vous avez lâché l'affaire, donc quitté ce lieu, pour le reste je ne sais pas, hein, eh bien cette personne elle s'est retrouvée confrontée comme on dit, comme face à un mur, hein, avec ses jalousies, et ça n'a cessé de s'aggraver. Ouais, il y a vraiment un lien sacré entre vous et cette personne. Alors, encore une carte et après j'aurai terminé. Et oui, regarde, tout ça, c'était des masques, hein, de toute façon. Les masques tombent, là. Tous les outils, tous les masques possibles, tous les stratagèmes, tous les moyens de compenser. Et la façon de masquer de votre autre, c'est cette espèce de mur qu'on m'a montré, là, de trophée. Et en fait, c'est des victoires pour cacher... aussi des complexes physiques, peut-être un manque d'éducation, des choses comme ça. Mais aussi, se cacher la vérité, hein, par rapport à... Alors là, on me ramène à cette union du passé qui est une union arrangée. Qui lui, c'est marrant, hein, me montre que ça lui semblait être élégant, cette relation, bien conforme à une image parfaite, une victoire, comme un trophée, pareil, comme se mettre avec quelqu'un qui est comme un trophée. Que ce soit pour des aspects physiques, matériels ou les deux. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui lui paraît nocif aussi, voire ridicule à cette personne. Tellement. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent face à ça? Pareil, ça le désespère. Parce que derrière les masques, il n'y a rien. Ouais, c'est ça, c'est le vide. Il n'y a pas de regard, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sensualité, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de densité, il n'y a rien. C'est vide, juste vide. C'est vraiment quelqu'un qui est à bout là quand même. Je passe de la flamme au vide, c'est assez éprouvant. C'est assez éprouvant et troublant cette guidance. Ok, ok. Bon, dernière carte, d'accord. J'avoue, j'ai un peu. C'est rare, mais là j'ai assez hâte de. Parce que ça insiste beaucoup sur ce que vit cette personne actuellement. Et... je préfère être, bien sûr, comme tout le monde, dans les énergies d'amour et de lumière très positive. C'est comme ça, hein, ça fait partie du jeu. Oh là là, oui. Voilà. Bon, bah écoutez, je comprends mieux pourquoi je me sentais. J'ai envie d'arrêter et c'est ça. Voilà. Donc, un peu de patience encore. Parce que, effectivement, ça va être un premier pas, ce message magnifique. Vous allez bientôt vous revoir.
Mais il y a bien encore, avec cette notion de défaite face à l'amour, une force de l'ego, de l'orgueil. Bon, c'est fait là, c'est quelqu'un, on vous le dit clairement, l'amour prend la place, gagne la partie, puisque cette personne le vit un peu comme une défaite. Et donc, cette personne qui était sous une forme d'emprise de son ego, de son orgueil, de ses complexes, comme on a pu tous l'être, et peut l'être encore parfois, s'ouvre à l'amour et laisse son cœur s'exprimer. Ça ne peut plus en être autrement, c'est ce qui est mis là. On vous annonce ce message. Et surtout, un visuel. Mais l'emprise, elle est costaud là. Donc il va falloir être très patient. Elle ne va pas tomber totalement du jour au lendemain. C'est pour ça que j'ai ressenti quelque chose qui me donnait juste envie d'arrêter. C'est à peu près toujours comme ça quand j'ai ce genre de choses qui arrivent. Voilà, mais heureusement, le plus important, c'est ça. Parce que dès que vous allez vous revoir après ce message, les choses vont changer radicalement, comme cette carte l'annonce, avec un nouveau départ dans votre relation. Mais c'est ce premier pas qui va tout changer de la part de votre autre pour la suite. Alors, c'est compliqué vraiment aujourd'hui. Pardon, mais c'est pas. Je vous dis les choses comme je les ressens et comme mes guides me les transmettent. Hein, on fait avec. Et je vous montre les cartes les plus importantes. Ok. Voilà. Non, c'est pas ça, d'accord. C'est bien vous. Il y a vous et les autres. On n'arrête pas de me répondre. De me répondre. Ouais. La réponse que vous allez faire à ce message, c'est cette réponse aussi qui va tout changer. Ça, et puis vous verrez rapidement après ce message. Et le regard que vous allez porter l'un sur l'autre n'aura plus rien à voir avec avant, même si vous avez toujours su l'un et l'autre lire dans l'âme de l'autre à chaque regard. En fait, tout ce que vous avez vécu récemment, c'est comme vous savez voir les choses et agir autrement. Et bien, à travers ce nouveau regard, vous allez voir tout ça. Que vous allez vous regarder en agissant, en respirant, en étant en accord avec ce regard. L'un et l'autre est face à face. Et mais ce message, c'est insistant. Hein, et on parle de l'heure miroir 20h20 également. Voilà. Donc cette personne va s'avouer vaincue, avouer sa défaite, je suis obligée de vous dire les mots tels qu'ils sont transmis, face à cet amour qui le relie, qui vous relie l'un à l'autre, qui coule en vous comme quelque chose qui est totalement impossible à stopper. Et bien entendu, pour vous mener au bonheur de toute façon, même si ça paraît pas toujours évident, ni très proche. Là, c'est une belle nouvelle, une très belle nouvelle, que cette personne surmonte l'emprise, les masques
et laisse son cœur triompher. Même si ça lui donne la sensation de perdre une bataille, ce qui est quand même vraiment. Ouais, c'est comme ça. Ça va pas durer, hein, mais. Parce que l'élévation spirituelle est bien présente, mais c'est ce qui est transmis aujourd'hui. Ah, sacré ego, hein, sacré orgueil. Enfin. Donc voilà. Ça ne peut pas être stoppé. Et on me montre aussi le visuel de la lave lors de l'éruption d'un volcan, c'est énorme. L'élément feu, c'est quelque chose actuellement. Donc pour voilà, on me le redonne parce que vraiment, c'est une personne qui va agir. Ça commence par un message et ça s'arrête absolument pas là. Vous allez vous voir et ensuite, tout changera radicalement. C'est un changement de regard sur l'autre aussi dont il est question. Même par rapport aux aspects physiques et tout, c'est des choses dont vous allez pouvoir parler librement. Parce que c'est une personne qui a pu souffrir ou s'imaginer, ce qui n'a sans doute jamais été le cas, ou peut-être de manière éphémère, sous l'influence des autres, justement. Ouais, de barrage par rapport à un aspect physique, un complexe physique ou d'éducation qui s'est imaginé à un moment donné que ça pouvait ne pas vous attirer ou ça va loin quand même les complexes de cette personne. Mais voilà, c'est pareil. De toute façon, l'amour guérit de tout, y compris de ce genre de situation entre deux personnes, quel que soit le temps que ça prend. En tous les cas, c'est quelqu'un qu'il faudra beaucoup par la suite rassurer sur ces sujets-là, sur cette notion de d'exister à travers des victoires. Sur cette notion aussi, sur ses complexes physiques ou autres. Et c'est quelqu'un qui ne croira que vous par rapport à ça. Et c'est souvent comme ça. Hein. Quand on a des situations comme celle-ci, c'est la parole d'une personne qui vous aide à les dépasser. Ça vient bien sûr de vous, hein, avant tout. Mais c'est la parole d'une autre personne qui va vous permettre d'acter la guérison émotionnelle. C'est là, hein, la magie des connexions divines que l'on peut avoir les uns avec les autres, qui montre à quel point on n'évolue jamais seul. Ça commence par vous, c'est vous l'impulsion, et puis le reste, ça se fait ensemble, à deux, et puis beaucoup plus pour d'autres sujets. Puissance et triomphe de l'amour. Bon, espérons que cette personne ne verra plus comme une défaite, mais comme une victoire pour le moment. C'est comme ça. Je reste fidèle au message, c'est important. Voilà, écoutez, j'ai terminé. J'avoue que ça a été. Ça a pompé beaucoup d'énergie cette guidance. J'espère qu'elle sera utile aux personnes qui sont destinées à être vraiment concernées, plus particulièrement par ces messages. Et sinon, que vous aurez bénéficié de toutes les énergies de protection plus globale qui était présente à chaque instant. Je vous remercie pour tous, pour tout le monde. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusque-là. Et bien sûr, donc, si ça vous a plu, si ça a vibré en vous, je vous remercie également de liker mes deux vidéos, si, et bien sûr, si vous écoutez les deux. Je suis vraiment toujours troublée et perturbée par cette guidance. J'ai hâte d'avoir vos retours et vos commentaires sur tout ça. Vraiment, toujours un. Mais là, je sens que ça va être justement pareil aussi. Troublant, étonnant, mystérieux, perturbant. Ça arrive, c'est comme ça. Il y a des moments comme ça.
Bon, donc voilà, oui, ce geste, il est important pour moi. Si vous avez le temps, si ça a été positif pour vous, je vous remercie de liker les vidéos. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner. Évidemment, à participer si ça vous dit. Vous pouvez également être prévenu des prochaines vidéos en activant les notifications. Donc, pour ça, il faut cliquer sur la petite cloche pour avoir les autres informations, pardon. Plus d'infos, eh bien, c'est sous mes vidéos, dans la barre d'infos justement de mes vidéos, vous cliquez sur plus les trois petits points et là tout se déroule. Vous avez mon compte Instagram, mon compte Facebook si vous voulez me rejoindre sur ces réseaux-là. Je publie les guidances aussi et sinon pour discuter, voilà. Sur mon compte Instagram, c'est essentiellement pour valoriser les tarots, les oracles que j'utilise et donc remercier et mettre en lumière les créateurs parce que vous le savez, c'est essentiel pour moi, ça me passionne beaucoup. D'ailleurs, dans ma prochaine guidance, je vous présenterai un livre oracle, un merveilleux cadeau que j'ai reçu cette semaine. Je vous en dirai plus. Donc, enfin voilà, dans les guidances à venir. Et puis aussi, vous trouvez pareil dans la barre d'infos de mes vidéos le lien de ma cagnotte en ligne si vous souhaitez faire un don à ma chaîne. Voilà. Bon, vous avez remarqué, je crois que la bougie est sur le point de s'éteindre et donc d'être en accord avec les messages, cette fois, cette personne s'avoue vraiment vaincue par cet amour, sa grandeur. C'est vraiment, on me montre une personne qui, face à l'immensité, l'éternité, la grandeur de cet amour, décide d'arrêter de s'épuiser, de lutter contre. N'a plus de munitions, n'a plus de masque, n'a plus rien. Donc voilà, qui pose les armes et qui admet, reconnaît que c'est plus fort que tout. C'est tout. Merci mes guides, c'est tout. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que c'est déjà vraiment beaucoup. Bon, merci beaucoup en tous les cas, encore une fois, de m'avoir écouté, d'avoir eu cette patience parce que ça n'a pas été simple. Voilà, ça met à l'épreuve aussi notre patience dans la transmission et la réception des messages, ce qui n'est pas plus mal. Toujours bon de s'entraîner. Et puis sur ce, eh bien, profitez de la vie, faites attention à vous, profitez de la vie, profitez de l'amour. On se retrouve le plus vite possible et je vous embrasse très fort. À bientôt.